Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la création et la mise en page d'un document avec Page version 4.1 pour iPad. Alors, je vais partir depuis Wikipédia pour aller rechercher du texte sur les tours Solidor donc de Saint-Malo, plus exactement dans le quartier d'Alette. Et je vais donc dans mon application Wikipédia et je vais aller copier du texte. Donc je sélectionne et ensuite je fais copie. Je vais ensuite lancer mon application Page. Et dans cette application Page, là j'avais créé un fichier préalablement qui s'appelle Solidor 2. Dans ce document Solidor 2, donc, qui était prêt mais vide, je vais aller coller le texte et les images que j'ai été copier depuis Safari dans l'application Wikipédia. Je vais ensuite aller supprimer le texte et les images qui ne sont pas utiles et pour pouvoir y aller insérer ma propre photo de la tour Solidor que je mettrai en page avec le logiciel Page, toujours sur iPad. Je sélectionne ici mon texte et je vais changer la taille du caractère. Là, c'est 16 points, c'est un peu gros. Je vais l'amener à 12 points. Voilà. Je vais maintenant aller sélectionner le reste du texte. Et là aussi, je vais aller le mettre dans la taille de police de 16 points. Bon, je laisse la police Helvetica qui avait été sélectionnée automatiquement. Voilà, donc j'ai mis mon texte en 12 points partout. Maintenant, je vais continuer la mise en page. Je supprime encore un peu de texte inutile, donc je sélectionne Château Fort et je fais supprimer. Maintenant, je vais appliquer le style titre au titre ici, Tour Solidor. Et je vais le centrer. Maintenant, je vais mettre en page le premier paragraphe et je vais le justifier. Donc je fais une justification totale pour l'ensemble ici du texte sélectionné. Ensuite sur historique, je vais lui appliquer un style titre 2. Et ensuite au reste de mon texte, je vais lui appliquer la mise en page, la justification, plus exactement justification total, tel que j'avais fait dans mon premier paragraphe. Là, j'ai tout sélectionné, et voilà, j'ai sélectionné l'ensemble de mon texte, et je vais appliquer justification totale. Maintenant, je vais aller changer la mise en page de mon premier paragraphe, et je l'ai mis en italique. Et maintenant, je vais aller procéder un peu à l'aération de mon texte pour séparer ici chaque grande période sur l'histoire des tours Solidor. Je termine maintenant cette première phase en touchant Document et mon document a été sauvegardé sur l'iPad. Je vais maintenant ajouter une photo dans mon document en utilisant les facilités de mise en page d'une photo. Je vais ajouter une photo, je touche l'outil plus et ensuite je vais aller parcourir la pellicule où j'ai une photo qui a été préparée pour mettre dans ce document. Voilà, j'ai plusieurs tours Solidor et voilà. Et voilà ma tour Solidor qui a été intégrée dans mon texte. La photo est maintenant dans le texte, avec le texte au-dessus et le texte en dessous, comme
en standard. Maintenant, je vais aller appliquer une modification à cette photo. Je touche l'outil format, c'est-à-dire le pinceau, puis alpha instantané. Ensuite, dans la partie de ciel bleu, le beau ciel bleu de Bretagne, je vais descendre mon doigt vers le bas, dans la partie bleue, pour aller supprimer ce bleu. Donc le bleu est transformé ici provisoirement en marron, et ensuite il sera en blanc, mais c'est un blanc qui est transparent. Je vais maintenant compléter la mise en page de ma photo en allant rogner un peu de pelouse. Et voilà, ma tour est maintenant terminée. Elle est transparente. Je vais aller toucher maintenant disposition, puis autour. Voilà, j'ai touché l'outil autour. Et maintenant, je peux bouger ma tour Solidor et le texte se met autour de la tour. C'est ce qu'on appelle ici un habillage. Et c'est donc l'habillage autour. Voilà, je m'amuse encore à bouger un peu mes deux tours Solidor pour montrer, disons, différentes mises en page du texte par rapport à la photo. La mise en page de mon document est terminée. Il ne restera à le partager ou à l'exporter.